Moi, si je devais conseiller vraiment le coaching, je le conseille à 100%. J'ai senti mon expérience sur le coaching pole dance de Coco. Avant d'entamer le coaching, je prenais des cours de pole dance. Ça me faisait du bien, que ce soit mentalement ou physiquement. Le problème, c'est qu'en fait, c'est bien de le vouloir faire chez soi. Mais moi, en fait, j'avais pas les bases pour me faire un vrai programme adapté en fonction de mon niveau, de mes attentes, mes objectifs. Moi, si je devais conseiller vraiment le coaching, je le conseille à 100%. Coralie, c'est vraiment quelqu'un qui est très à l'écoute parce qu'elle prend le temps de savoir quels sont les objectifs, les attentes de la personne. Le programme, il est vraiment personnalisé. Tous les conseils qu'elle m'a donnés, toutes les vidéos qu'elle m'a envoyées, j'ai pu atteindre une grande partie de mes objectifs. On découvre qu'on a des capacités qu'en fait on n'avait pas développées avant ou qu'on même on savait même pas. Et elle est très bonne conseillère, hein. Les conseils, c'est des pépites. Donc honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du dépassement de soi, c'est sortir de sa zone de confort et le coaching, il est fait pour ça, quoi.